C'est un projet qui lie l'aérien et le maritime, et en permanence, on doit y trouver cette double dimension. Parce qu'on est comme en apesanteur à 5 ou 6 mètres au-dessus de l'eau, on a l'impression de faire du tapis volant. On défriche, on ouvre une voie nouvelle et qui nous aime nous suivre. En 76, on avait fait un petit bateau de 6 mètres en prenant une coque de tornado pour faire la coque centrale d'un trimaran à foil. Éric Tabardy y a cru avant tout le monde, il a donné une impulsion décisive, il m'a parrainé, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a porté. J'avais confiance dans ce que ce bateau puisse marcher, oui. Et puis comme lui, bah, il s'accrochait bien, il a été vraiment persévérant. En fait, on volait avec environ 20 nœuds de vent, avec une vitesse stabilisée de l'ordre de 25 nœuds. On avait réduit un peu la vitesse, qu'auparavant on avait fait des pointes à 28-29 nœuds, et on se rapprochait de la frégate Surcouf. Puis tout d'un coup, crac! On est content d'avoir ramené le bateau. C'était pas acquis. Nous sommes face au domaine encore très peu connu des hautes vitesses à la voile. Je pense que par moment on va se faire peur. Ma fierté, c'est d'avoir une équipe hors norme, des véliplanchistes, des ingénieurs, des retraités de l'aéronautique. La force de ce projet, ce sont les hommes. Voilà ce dont je suis fier, de mon équipe avant tout, et ensuite du bateau. L'objectif sportif, c'est de stabiliser la vitesse que l'on vient de filer, à savoir 37 nœuds, sur une traversée de la Manche entre Douvres et Calais. Le record de Blériot en 35 minutes est à la portée de ce voilier, je crois. Blériot a traversé la Manche, a cassé 10 avions. Nous avons eu que 4 versions d'hydroptère et celle-ci sera la bonne. Je vous annonce que les deux motos sont déjà claqués.
vraiment passer le mur du vent. C'est quelque chose d'assez extraordinaire du point de vue de la glisse, des sensations très aériennes. Ça s'est mal terminé, mais bon, on défriche, c'est un peu le lot des pionniers. Sans valeur à la voile, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas encore tout à fait. Combien d'ab bah pour l'instant, alors sur 500 mètres, 51,4. Et sur le 1000, 48,7. 48,7. C'est vraiment une œuvre collective fantastique. Un projet qui lie l'aérien et le maritime. Pour moi, c'est 100 ans en arrière. On est passé des dirigeables aux aéronefs. Et sur l'eau à la voile, il s'agit de cette même transition aujourd'hui. Les bateaux flottent et désormais ils voleront.